Bonjour les filles, j'espère que vous allez toutes bien. On se retrouve pour une petite vidéo faite make-up de soirée ou de fête, ça dépend quelle date vous voulez le faire. C'est avec la Vis Palette 2 et je vous mets tout de suite un aperçu de ce que ça donne. Et si ça vous plaît, je vous invite à regarder la suite. Donc j'ai déjà appliqué ma base. Ici c'est celle de chez Urban Decay. J'ai déjà mis mon petit pot de scotch. Papier collant, ou je ne sais plus comment vous dites en France. Ensuite je prends un crayon. Ici c'est un bleu marine, mais avec un noir ça marchera très bien aussi. Moi c'est celui de chez Too Faced. La teinte, je sais pas. C'est Dark Navy, je crois, un truc, quelque chose comme ça. Perfect Navy. Et j'en mets en muqueuse supérieure, sur la paupière supérieure et en paupière en ratine inférieure. Et avec un pinceau, j'estompe. Ensuite, avec le pinceau de la palette, je prends la couleur Smokeout. Je fais mon coin externe. Avec l'autre côté, on estompe. Ensuite, avec l'autre côté du pinceau, je prends la couleur Madness, qui est le bleu magnifique. Et je l'applique sur toute ma paupière mobile. Ensuite, avec un pinceau boule, je prends la couleur Love Sick, donc qui est le noir pailleté en deuxième machin. Et je refais mon coin externe. Et on estompe. Pinceau fluffy, je prends la couleur Habit, oui, Habit. Qui est très 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 poudreux. Et je le mets en couleur de transition pour bien estomper. Je le monte jusque sous mon sourcil. Et on continue l'estompage. Je l'essuie un petit coup et je prends la couleur taupe. J'en prélève juste un peu sur le bout de mon pinceau. Et je le mets sous le sourcil. Et on floute un tout petit peu. Ensuite, avec un pinceau précision, je prends la couleur Shell Shock, donc qui est l'argenté, c'est qu'il est Totos. Et bien sûr, je fais mon coin externe. Ensuite, je fais un trait de liner noir. Donc vous prenez celui que vous voulez, moi je prends le master précis. Je repasse avec un liner bleu pailleté comme ceci. Moi c'est un modélite. Parce que j'ai pas le Urban Decay, mais Urban Decay en fait très 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 beau. Et je repasse sur mon liner. En essayant de déposer un maximum de paillettes.
vais essayer de pas faire comme dans l'autre œil et m'en foutre une dedans. Voilà. On peut enlever son petit scotch. C'est chaud là-dessous. Je reprends mon pinceau où que j'ai mis mon fond de teint et je refloute un peu où ça a pu enlever la matière. Ici le trait ne devient plus très droit parce que j'ai mon truc à couler. Bon. Voilà. Ensuite, je reprends mon pinceau précision et je reprends la couleur Madness pour faire mon ras de cils. Et dans le coin extérieur, je remets le noir pailleté, donc le loft sec. Voilà. N'oublie pas de flouter le bord. J'ai l'impression qu'il y a plus d'argent que de l'autre côté. Ensuite, je prends un crayon col noir, donc moi c'est toujours celui de chez Sephora, ça ne change pas, et je le mets en muqueuse. Ensuite, je vais faire un combo de mascara, je vais prendre le Great Lash pour les cils inférieurs, enfin pour, comme première couche, et après je prends le Hypnose Dharma de Lancôme. Donc pour le teint, je vais rester sur Urban Decay. Donc je vais commencer par le bronzer. Il faut que ça pour le blush. Le bronzer, je pense pas. Ouais, en fait, c'est tiède quand on met du bronzer. Le blush toujours de la palette. Puisque les yeux sont assez chargés, j'aime autant rester dans le natural pour le reste. Et le bronzer, je pense pas cela. L'highlighter. Pour les lèvres, pareil, je vais rester dans du naturel. Donc je prends le 207 beige glacé des Colors Sensational. Et voilà, c'en est fini pour ce look de fête avec la Vis Palette 2. J'espère que ça vous plaît. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous.